Il est ressorti discrètement du commissariat, à bord de cette voiture, loin des micros et des caméras. Gérard Depardieu vient alors de terminer son face-à-face avec les policiers, priés de répondre pendant 10 heures à leurs nombreuses questions. À l'issue de cette garde à vue, les juges ont décidé de convoquer l'acteur au tribunal. Il sera jugé en octobre prochain pour des agressions sexuelles commises sur deux femmes en 2021 pendant le tournage du film « Les volets verts ». L'une des victimes présumées est une décoratrice de cinéma qui dénonçait des attouchements commis en 2021 dans l'hôtel particulier de l'acteur à Paris. En présence de son avocat, le comédien n'aurait reconnu aucun fait et demeure présumé innocent. Actuellement poursuivi dans un autre dossier pour le viol d'une jeune actrice, Gérard Depardieu s'était dit victime d'un lynchage médiatique l'an dernier dans une tribune. J'ai été durant toute ma vie provocant, débordant, parfois grossier. Mais je ne suis ni un violeur, ni un prédateur. S'il est condamné à l'issue de son futur procès, l'acteur risque une peine de 5 ans de prison.